Eh bien, salut tout le monde, la communauté, c'est Jaizor, j'espère que vous allez bien, en tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui les potes, on se retrouve sur le GTA V Online pour comment gagner de l'argent ultra facilement après les derniers patchs. Donc vraiment, écoutez bien et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve après la mise à jour 1.51, donc après le DLC Summer-Été 2020, pour vous présenter la meilleure méthode cette semaine pour se faire de l'argent disponible pour tout le monde, PS4, Xbox One et sur PC. Tout le monde pourra réaliser cette méthode. C'est Rockstar qui propose des activités doublées dans des missions du casino, ainsi que dans les modes rivalité résurrection. Mais aussi, n'oubliez pas, avant que la vidéo commence cette semaine, de vous connecter sur GTA pour débloquer 1 million de dollars. Pour les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, n'oubliez pas, c'est gratuit et en plus ça mange pas de pain. Mais vraiment, écoutez bien et restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais présenter la meilleure méthode, la meilleure mission qui vous rapporte beaucoup d'argent. Et en plus, c'est doublé en RP et en GTA dollars. Donc vraiment, profitez-en, mettez-en vous plein les poches. Juste avant que la vidéo commence, si vous êtes nouveau et nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, de mettre un maximum de likes et un maximum de commentaires, d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas de rejoindre les réseaux sociaux, tout est en description. Je compte sur vous, la communauté. Vraiment, soyez le plus actif possible et n'oubliez pas de rejoindre le Discord. Vraiment les gars, on tente d'ici la fin de l'année les 1000 personnes. On y est presque, on est actuellement aux 600. Donc je voulais vous remercier la communauté. N'oubliez pas vraiment d'être le plus actif possible et de rejoindre mes réseaux sociaux pour pas rater l'actualité. C'est très important. Avant que la vidéo commence, comme tu peux voir ce qui s'affiche à l'écran, n'hésitez pas de partager, de liker et de commenter. Vraiment les gars, je compte sur vous, il y aura vraiment du lourd qui arrive très prochainement, des gros glitches d'argent. Vraiment soyez le plus actif possible, je sais que je me répète mais c'est très important. N'oubliez pas aussi de rush les 130 000 abonnés. Voilà, vraiment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir, on y est presque. Vraiment les gars, continuez comme ça, mettez des pouces bleus et des commentaires et des partages. Vraiment soyez le plus actif possible, je compte sur vous, la communauté. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour la meilleure méthode pour avoir de l'argent. Donc tout le monde pourra réaliser cette méthode, c'est Rockstar qui est propre. Donc il faudrait être en session sur invitation, voilà, et vous allez faire start en ligne comme moi dans la vidéo, voilà, et vous allez lancer les missions qui sont doublées en RP et en GTA dollars. Et en plus, bon, franchement c'est vraiment pas mal parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces missions. C'est vrai qu'ils l'avaient mis plusieurs fois, mais là ils l'ont remis les gars, donc vraiment profitez-en. Comme je vous ai dit, allez-y, connectez-vous sur GTA 5 en ligne pour vous préparer pour le prochain DLC qui arrive très prochainement. Donc vous allez faire start en ligne, activité, mission, et vous allez pouvoir constater que toutes les missions du casino, donc du dernier DLC il y a un an, sont doublés. Donc vraiment profitez-en, mettez-en vous plein les poches, prenez n'importe laquelle, n'hésitez pas à mettre vos PSN, vos gamer tags, aidez-vous entre vous dans l'espace commentaire si vous avez besoin d'aide au niveau des glitches, ou même si vous avez besoin d'aide au niveau des missions. N'hésitez pas, bien sûr, faites très attention, je répète encore une fois, aux fakes, parce qu'il y a beaucoup de fakes. Vraiment les gars, n'ajoutez pas n'importe qui, faites en sorte qu'on vous ajoute bien pour l'activité. Voilà, bah n'hésitez pas de rejoindre le Discord, voilà, et faites bien attention de pas ajouter nos vrais réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, que ce soit sur la Play, sur Snapchat, sur Twitter ou même sur d'autres réseaux. Faites attention les gars, parce que vraiment voilà, ça commence à être un peu relou. On se répète, mais je préfère me répéter que ma communauté ne se fasse avoir. Donc vraiment les gars, à vous de faire très attention. Donc là tout simplement, le but de cette mission, voilà, moi je voulais vraiment vous présenter cette semaine que c'est doublé. Donc vraiment, allez-y, connectez-vous, donc mettez un maximum je me suis trompé, mais voilà, vous avez pouvoir, excusez-moi, vous allez pouvoir choisir la difficulté, donc c'est vraiment pas mal. Moi je vous conseille difficulté, comme ça au moins, enfin difficile, excusez-moi, comme ça au moins vous gagnez plus de GTR et plus d'RP. Voilà, donc invitez des amis, vous allez pouvoir réaliser cette mission avec des amis ou pas, ou avec des abonnés. Bah moi j'ai fait avec des abonnés. Bon voilà les gars, donc n'hésitez pas de réaliser ces missions qui vont vous rendre riche. Enfin, après les gars, voilà, moi personnellement je sais que je suis riche sur GTA 5 Online, mais pour les gens qui commencent le jeu, qui sont pauvres, bah vraiment profitez-en. Allez-y les gars, mettez-en vous plein les poches. Voilà, mettez des encas, mettez un maximum de munitions pour ces activités avant que de la lancer. C'est très important parce que bon, moi j'ai pris la première mission, la plus facile, mais sachez que à la fin j'ai gagné une somme qui était assez raisonnable au niveau de l'argent. Mais surtout les gars, là où c'est vraiment intéressant, c'est au niveau de l'RP. Alors je voulais vraiment vous les présenter. Je sais que je l'avais déjà fait parce qu'à chaque fois que Rockstar met à jour les missions, tous les jeudis, ils mettent des promotions au niveau des, au niveau des missions, au niveau des véhicules, au niveau des achats dans le jeu, et ils mettent pas mal de missions. Et là franchement ça faisait longtemps que c'était pas revenu. Donc vraiment les gars, allez-y, connectez-vous, franchement vous invitez un ou deux amis, même avec un ami c'est possible, hein. Moi j'ai invité des abonnés, mais avec un ami c'est possible les gars. Donc voilà, vous passez les cinématiques, parce que moi je les ai déjà fait les potes, excusez-moi, voilà.
Donc franchement les gars, moi si je vous fais cette vidéo, bah déjà c'est pour vous remettre bien sur GTA et vous rendre riche et vous préparer pour le prochain DLC qui arrive en décembre. Restez connectés, il y a du lourd qui arrive très prochainement. Franchement les gars, on a eu pas mal d'indices dans ma vidéo précédente, j'ai pu voir qu'il y a pas mal de gens qui ont apprécié. Mais continuez à être le plus actif possible parce que je vais vous présenter pas mal de glitches, des astuces pour vous préparer. Mais surtout les gars, pour... être riche sur ce jeu et profiter de plein de choses les gars, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se faire de l'argent en 2020 sur GTA 5 Online, mais ne vous inquiétez pas, vraiment, moi je compte sur vous les gars pour vraiment être actif sur la chaîne, donc vraiment n'oubliez pas de partager la chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, voilà, et ceux qui voudraient être tirés au sort, alors attention, je passe un message pour les plus d'argent ou les lobbies, attention les gars, j'en ferai pas gagner tous les jours parce que j'en ai pas des milliers, mais j'en ai tous les mois, voilà, j'essaie de me mettre en collaboration avec des partenariats, des gens qui tout simplement veulent en faire gagner à la communauté, bien sûr, attention, je passe un message, je ne vends aucun lobby, voilà, il y a moi en aucun cas j'accepterai l'argent de mes abonnés, voilà, vraiment les gars, je passe un message parce qu'il y a plein d'abonnés qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu vends des comptes lobby, je dis non, les potos, je ne fais pas ça, voilà, c'est vraiment par tirage de sort, voilà, parce que pour vous récompenser pour les gens qui partagent la chaîne, qui sont actifs, voilà. Donc j'en ferai pas tous les jours, je préfère le préciser. Et attention, je passe un message, il n'y a aucun fake sur ma chaîne YouTube. Donc arrêtez d'être négatif dans l'espace commentaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont négatifs. Voilà, ils écoutent beaucoup de gens, mais tout simplement ils voient pas le contenu qu'on leur propose sur la chaîne YouTube. On essaie de les préparer les gens, mais ils voient pas. Donc vraiment les gars, encouragez-moi à continuer. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Donc le but de l'émission c'est simple, vous devez aller tout simplement chercher le, vous devez aller fouiller le motel abandonné et vous allez devoir trouver tout simplement le personnage Tao Cheng, voilà, donc celui qui est l'organisateur du casino. Bon, c'est des missions qu'on avait déjà fait les potes, mais ce qui est bien c'est que vous gagnez de l'RP, regardez, par PNJ vous gagnez 50 RP toutes les minutes, toutes les secondes, donc c'est vraiment pas mal les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, vraiment profitez-en, restez quand même conscient que ok c'est pas des grosses sommes qu'on va gagner, mais sachez quand même que à chaque fois avec toutes les vidéos que je vous ai présentées, je pense que les gens ils ont pu se refaire un maximum. J'ai pu voir dans ma vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié des activités en solo ou des survies. Et voilà, la vidéo, j'ai pu voir au niveau des likes, des partages, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Vraiment, si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas. Et proposez-moi du contenu sur la chaîne, il n'y a pas de souci les gars. Si vous voulez que je fasse des glitches, si vous voulez que je fasse de l'RP ou autre chose, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci les potes. Mais vraiment, je compte sur vous pour être le plus actif possible et de partager la chaîne YouTube. Vraiment, on rush d'ici la fin de l'année, j'espère les atteindre. Si on les atteint pas, c'est pas grave, mais au moins ça va me motiver, et puis moi au moins ça me prouvera que la communauté elle aime les glitches, les astuces que je leur présente sur la chaîne YouTube. Proposez-moi d'autres idées de vidéos aussi, si vous voulez que je reste sur GTA, si vous voulez que je fasse des tenues modées, si vous voulez que je fasse des glitches d'RP, si vous voulez que je fasse autre chose, si vous voulez que j'aille sur un autre jeu, les gars, il n'y a pas de souci. On essaiera, plus on grandit, plus on essaiera de découvrir autre chose, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les gars, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse, c'est très important. Il y en a, ils vont dire ouais, mais c'est vrai que il n'y a pas grand chose comme jeu que tu pourrais présenter, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de jeux où il y a des glitches, à part GTA ou peut-être Fortnite, hein, voilà, pour les gens qui jouent à Fortnite. Moi, Fortnite, j'ai essayé, mais il y en a, ils ont pas trop apprécié, excusez-moi, ils ont préféré que je reste sur GTA, mais je pourrais faire autre chose, il n'y a pas de souci les gars. Donc vraiment les gars, restez quand même connectés. En plus franchement il y a du lourd qui arrive, là on commence à avoir des indices pour le prochain DLC, Rockstar font ça, n'oubliez pas vraiment aussi de profiter cette semaine, je me répète mais au moins comme ça la communauté le sait, mais tout simplement si vous connectez sur GTA 5 Online, voilà, jusqu'à jeudi prochain, et que vous rassemblez une somme de 100 milliards de dollars, avec tous les braquages qu'on a eu depuis le début, tout simplement vous allez pouvoir, les potos, récupérer un véhicule exclusif, voilà, je le répète pour les gens, au moins comme ça c'est sûr et certain, de la prochaine mise à jour. Restez quand même connectés, s'il y a des news qu'on a par rapport au prochain DLC, j'essaierai d'en vous en faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Mais vraiment les gars, en attendant, je compte sur vous pour profiter de cette mission qui rapporte beaucoup, du moins toutes ces missions qui sont doublées cette semaine en RP et en GTA dollar. Allez, sur ce les potes, je vous souhaite un bon week-end, c'était Jaizor, restez quand même connectés parce qu'il y a du lourd qui arrive très prochainement. À la fin, je vous laisse, j'ai gagné plus de 20 000 dollars et j'ai gagné plus de 4 000 RP, c'est vraiment pas mal pour les pauvres. Donc oui, c'est pour les pauvres, les moins pauvres et les plus riches ou les moins riches, les gens qui peuvent se refaire de l'argent, être prêts pour la prochaine mise à jour. Donc sur ce les gars, je vous souhaite tout simplement, comme je vous l'ai dit, je me répète, restez connectés, je vous souhaite une très bonne vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire. Allez les potes, je vous souhaite tout simplement une bonne vidéo, un bon week-end, c'était Jaizor et ciao tout le monde. Bye les potes.